Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de Machine à Sous en espérant que la chance continue, bien sûr. Je vais vous présenter une toute nouvelle machine donc que je teste pour la première fois et qui m'a été conseillée par quelques abonnés, à savoir Stack'em, une machine à sous qui contient comme d'habitude des jokers, des symboles multiplicateurs également et vous avez le traditionnel bonus free spin. Si on en découvre 3, on remporte des parties gratuites avec possibilité donc de symboles multiplicateurs permettant d'avoir des gains intéressants. Donc là, je suis parti pour une balance de 50 euros. Balance restante de la précédente partie de ce casino qui était Great Golden Buffalo pour être précis. Voilà. J'ai pu mettre 70 euros de côté et je vais miser dans un premier temps 40 centimes. Je ne manquerai pas d'augmenter mes mises en cours de jeu. Objectif, bah, espérer continuer sur ma réussite de chance, notamment la précédente partie. Cléocatra, un magnifique bénéfice de remporter grâce à un bonus. Allez, c'est parti, on va jouer tranquillement en mode manuel. Let's go! Donc voilà, une machine assez originale. Ah, le premier gain de remporter, enfin! Donc il y a des multiplicateurs croissants sur la ligne correspondante. Ok, très bien, donc ça continue. D'accord, 1,34€, pas trop mal pour ce premier spin gagnant. Voilà, une petite musique d'ambiance assez sympa. Donc le symbole free spin est ici, hein. Donc il en faut 3, évidemment. Il y a également l'option d'achat hein, de free spin, j'ai pas précisé, mais on va pas l'utiliser évidemment. Donc une machine à sous assez particulière niveau design. Timide, hein, comme d'habitude, hein. Souvent des départs difficiles sur les machines et ensuite de très jolis gains de remportés en cours de jeu sur bonus principalement car on arrive à les obtenir assez souvent hein, sur les machines dernièrement, c'est assez impressionnant. Pour l'instant, énormément de spins perdants. Ok, donc on passe au multiplicateur suivant. Ok, ça s'arrête là en principe. 60 centimes, d'accord. Ok, pour l'instant, c'est pas extraordinaire niveau gain. De nombreux spins perdants, mais ce n'est que le début de la partie, comme je voulais dire. Alors ça peut s'expliquer par le fait d'avoir de gros gains également sur des multiplicateurs lorsque les colonnes se déverrouillent lors de combinaisons gagnantes, comme ici par exemple. Voilà. Si on arrive à faire un joli strike, ça peut être intéressant, peut-être ici. Ah dommage, ça s'arrête là. Pas d'autres gains. Donc certes, ce sont des petites mises, 40 centimes. Pour l'instant, je vais rester sur des mises de 40 centimes, mais voilà. Le gain ne fait pas la mise, je vous le rappelle. Preuve en est sur la précédente partie, une mise de 40 centimes et un gain extraordinaire dans le bonus de 150 euros. C'est énorme. Évidemment, ça reste rare.
suis pas forcément fan de cette machine, non pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gains, mais voilà, au niveau des rouleaux, voilà, dit en mode avalanche, je suis pas trop fan, mais voilà, il en faut pour tout le monde. Et en tout cas, bah, c'est une découverte. Découverte sur cette machine. J'ai très peu de gains pour l'instant. Ah, quand même. Alors, en principe, c'est gagné. Ok. Ah, c'est beaucoup mieux déjà. Voilà, par 10 au total. Et ça continue. C'est bien. Super. Ah, ça peut être pas mal. Et ça continue. Ah, bah voilà, j'aurais dû me taire. Parce que là, niveau gain, ça peut être sympa. Voilà, encore une fois. Ah oui, bah c'est joli. Parce que ça fait de nombreux multiplicateurs maintenant. Ah bah alors là, franchement, incroyable. Ah, ça va faire un joli gain total, ça. Ah oui, c'est pas mal. C'est un big win. Eh oui, 21,70. Joli. Magnifique. Et ben voilà, méga win. On revient. On revient à notre solde. Très joli gain. Un peu plus de 50 fois la mise hors bonus, c'est dire que le bonus doit être très payant si on a ce cas de figure-là. Ok, ben on revient à notre solde. Un peu étonné. On n'a pas eu beaucoup de gains, on a eu on va dire les trois quarts du temps, même plus des spins perdants. Machine, hein, comme je vous l'ai dit, qui m'a été recommandée par de nombreux abonnés quand même, donc potentiel de gain qui risque d'être intéressant, effectivement. Oui, là, il y a deux jokers, ok. Ça va se déverrouiller, j'imagine. Voilà, là c'est gagné encore une fois. Donc là, on a un premier symbole free spin. On n'en a vu qu'un seul jusqu'à présent. Voilà, ça multiplie encore une fois. Sympa. On a rempli la rangée. Bon, bah, c'est pas mal. De joli gain 4,96, c'est pas mal. Ok, toujours pas de perte. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur cette machine. Bon, elle est sympa, c'est sûr. C'est plus sympa lorsqu'il y a une musique d'ambiance, mais j'ai l'impression que elle a lieu lorsqu'on a de jolis gains, comme ce fut le cas. Donc un petit gain, mais ce sera gagné donc au prochain spin. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déverrouiller, comme on l'a eu tout à l'heure, à deux reprises, toutes les cases pour avoir un gros gain, comme ça a été le cas. Allez, il manque plus que les free spins éventuellement. Ça serait sympa. Largement la possibilité de les obtenir. Petit gain de 10 centimes, un premier symbole free spin. Ah, un deuxième symbole free spin. Non, j'y crois pas. On a un bonus. Cool. On en a 3. C'est gagné. On a des free spins. Magnifique. Bon, bah c'est cool. Pas trop tard. Surtout notre solde qui n'a pas trop encaissé. Donc voilà, on a remporté des parties gratuites. Alors je ne sais pas combien. Mais voilà, toutes les combinaisons gagnantes seront ajoutées au multiplicateur total. D'accord. Il peut y avoir des symboles mystères qui vont révéler un symbole, j'imagine, et un symbole multiplicateur également.
Ah, on va voir ce que ça va donner. Cool. Sans passer par l'option d'achat et le nombre de vies restantes. Ok, donc on a un symbole multiplicateur déjà, c'est bien. Par 8. Ok, 24 fois. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le total du multiplicateur? Je ne sais pas. Ah voilà, par 24, d'accord. Ok, bah c'est fini. 2,50, c'est pas énorme, mais bon, on a eu un bonus. Ok. Bon, on va continuer un petit peu quand même. Petit bonus. Au moins, on en a eu un. On va essayer d'en chercher un deuxième. Ou tout du moins revenir à 50 euros. Puis on va voir après. Oui, donc là, c'est gagné. Et on a un premier symbole free spin également. Allez, peut-être un petit gain sympa là-dessus. Ok. Ok, ça s'arrête là. 1,32€, d'accord. Donc voilà, un titre d'exemple de ton achat de free spin. Si on avait acheté un bonus qui nous aurait rapporté le gain qu'on a obtenu sur le bonus hors fonction d'achat, ça aurait fait mal, c'est sûr. Alors je vais juste regarder sans les acheter. Pour 40 centimes, ça aurait coûté 51,60€, hein, quand même. Donc là, j'achète pas, donc du coup, je ferme. Voilà. Okay. Donc là, 2,50€ de remporté pour une mise de 51€. C'est sûr que serait un énorme risque. Bon, bah pour l'instant, quasiment pas de perte. Tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si d'une part vous avez joué sur cette machine, si vous avez eu un joli bonus. Ah, dommage, il y avait deux jokers. C'est bon, on a un premier symbole free spin. Et on en a un deuxième, il n'en manque plus qu'un. Il n'en manque plus qu'un, c'est jouable. Oui, on a notre bonus. Superbe, magnifique, le deuxième. Allez, j'espère qu'il sera plus payant. Je pense que ce sera arrêt de partie à l'issue de ce bonus. Bon, je pense qu'on peut faire mieux que 2,50€, largement possible. Il faut des symboles multiplicateurs. Ah, on a 4 wilds, c'est pas mal. Plus 25. Alors qu'est-ce que c'est ça? Plus 25. Ça rajoute au multiplicateur. Ok, ah bah ça commence bien. X 44, donc il faudra une combinaison gagnante éventuelle. Plus 1, d'accord. Et là c'est gagné avec le symbole multiplicateur. Ah non, je croyais. Donc là c'est bon. X 45. Allez, il faudrait un symbole gagnant avec un multiplicateur, hein, je vous le rappelle. Ça change tout. Dommage, mal placé. Ah c'est dommage. Pas de chance. On n'a pas eu de multiplicateur sur un symbole gagnant, sinon ça aurait tout changé. Mais 6,32, bon, je ne sais pas, est-ce que je continue? Oui, je vais continuer, je ne suis pas encore à 50 euros. Donc, petit bonus, là, on est vraiment passé proche d'un gros gain. Mais il aurait fallu donc une combinaison gagnante avec un symbole multiplicateur pour multiplier x fois la combinaison. Et là, c'est dommage parce que c'était un joli multiplicateur, x 52. Allez, on va continuer encore un petit peu quand même. Il y a pas mal de jokers, c'est dommage en plus. Parce qu'il y a vraiment. Il manquait le symbole multiplicateur. On les a vus apparaître, mais mal placés. Vous
C'est surtout une histoire d'enchaînement de gains finalement. Lors du bonus, on peut avoir une succession de big wins, par exemple. Allez, un troisième bonus en espérant qu'il soit plus payant quand même, parce que là on n'a pas été gâté. Ça a été vraiment des petits bonus. Bon, je suis vraiment pas fan de cette machine quand même. Je suis pas, c'est pas une machine qui forcément m'attire, mais voilà, c'est sympa de me faire présenter des nouvelles machines. Ah, dommage, il manquait un troisième symbole free spin. Ça peut pas être évident de les obtenir en une seule fois. Gain, est-ce que ça va continuer? Non, ça devrait s'arrêter là en principe. Voilà. Bon, on va miser 60 centimes, on va voir. Plus grand chose à perdre. Je m'attendais pas à une partie aussi longue, mais voilà, on n'arrive pas à faire de bénéfice, c'est ça le problème. En ayant deux bonus, on est même parvenu à 50 euros, dommage. Allez, on peut revenir. Énormément de spins perdants quand même. Voilà, il manquait le troisième symbole free spin encore une fois. S'effondre là maintenant. On va baisser notre solde à 40 centimes. Pas facile d'avoir des gains quand même. Je ne pense pas que j'en jouerai sur cette machine. J'ai peut-être pas eu de chance, mais ça c'est vraiment pas grand-chose. Allez, la partie n'est pas finie, mais bon. Je vois pas un troisième bonus, peut-être que je me trompe. On n'a pas eu les bonus au bon moment et on n'a pas eu les gros gains au bon moment, en fait. Ça, c'est des choses qui arrivent. On a un premier symbole free spin, par contre. Par 5. Alors, est-ce que ça continue? Oui. Allez, ça peut être un gain intéressant, peut-être, ici. Mais je pense que ça va s'arrêter là. Eh oui, dommage. 4,90 quand même, d'accord. Une partie qui risque de durer encore très longtemps. On est peut-être parti pour un record de partie la plus longue. Mais bon, c'est sympa. Des parties. Riche en suspense comme celle-là. Un peu comme la machine Esqueleto Explosivo, c'était exactement la même chose. On n'arrivait jamais à revenir à notre solde et on a eu des gains quand même et la partie n'en finissait plus. C'est un peu la même chose ici. Ben là, il faudrait un bonus, hein. Je vois pas comment on pourrait revenir sauf si on a énormément de chance sur des multiplicateurs. Ça va être très compliqué de revenir.
dommage pour les deux bonus, hein, parce qu'il aurait suffi d'un petit peu plus, sans être trop gourmand, voilà, 10-20 euros, ça aurait suffi pour m'arrêter, mais là, la machine ne me laisse pas trop le choix. Ok, donc là, il y a deux gains. Est-ce que ça continue? Normalement, oui. Allez, il faudrait d'autres symboles qui s'ajoutent, d'accord. Ok, ça s'est pas ajouté, dommage. Ouais, c'est vraiment une question d'enchaînement de gains. Bon, ce serait un petit miracle de revenir quand même. Allez, un autre symbole. Ah, dommage, ça s'arrête là. Pas de chance. Allez, ici peut-être. Aïe, 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 vraiment pas de chance. Encore une fois, ça s'arrête là. Ça ne connecte pas. Aïe, 15 euros sur la balance. Là, c'est proche de la fin quand même, malheureusement. Quand même assez déçu du résultat. Mais bon, vu la chance qu'on a eue quand même sur la plupart des machines, on va pas trop se plaindre. Mais là, c'est vrai qu'il y avait un petit coup à jouer là sur le deuxième bonus. J'ai vraiment cru qu'on allait avoir un joli gain. Donc là, on a un premier symbole free spin, mais ça s'arrête là. Donc là, on aurait acheté les deux symboles free spin, les deux achats de free spin qu'on a eu là. Ça aurait fait très mal. Ça aurait fait très mal. Voilà, encore un tout petit gain. Par contre, c'est un symbole qui rapporte un peu plus, celui-là. On a eu un gros gain de 20 euros qui nous a permis de revenir, mais voilà, on n'a pas tenu. Et là, encore une fois, ça ne connecte pas. Dommage. Non, je pense pas qu'on va revenir. Sympa le truc. On aura tenu quand même. Première défaite depuis un moment maintenant. Depuis la machine à sous Razor Shark, on n'a pas essuyé de défaite depuis très longtemps sur une machine. Et là, on était tout proche. Hein. Tout proche des 50 euros de départ. Et après le bonus, on les a pas atteints. Il reste une dizaine de spins pour espérer un tout petit miracle. Vraiment pas fan du tout de cette machine. J'aime vraiment pas. Je pense pas que je la retesterai. En option d'achat de free spin, peut-être une fois, mais voilà. Ça n'ira pas plus loin. Mais voilà, merci à vous pour cette découverte sur cette machine. Plus que 4 spins. Et je sentais pas. Je sentais pas du tout cette machine. Je ne sais pas pourquoi. Question de feeling également. On sent la machine ou on la sent pas. Moi, je la sentais pas depuis le début. Voilà, c'est terminé. Voilà, ce serait hallucinant parce qu'il nous reste plus grand-chose sur la balance. Voilà, c'est terminé. Il nous reste plus que quelques spins, deux spins maximum. La dernière petite chance, mais voilà, il faut que ça connecte et ça connecte pas. Ah si, ça connecte, j'avais pas vu. D'accord. Il y a encore une petite chance, peut-être. Là, ce serait extraordinaire. Mais ça s'arrête là, il me semble.
je me trompe, mais je crois que ça s'arrête là, voilà. Il manquait le troisième symbole frisbee. Il aurait fallu éventuellement une autre combinaison gagnante. Oh, j'ai pas joué au bon moment. Hein. Voilà, dernier spin. Et c'est fini. Dernier spin. De la chance. Mais ça m'étonnerait. Et non, ça s'arrête là. Est-ce qu'on peut miser 10 centimes? Même pas. Ok, donc très déçu. Très déçu de cette machine dans l'ensemble. On a eu un gros gain qui nous ça fait espérer qu'on allait s'en sortir. On est revenu à notre solde d'ailleurs à l'issue de ce gain. On a eu ensuite deux bonus. Un premier quasiment non payant, 2,50€ me semble-t-il. Et le deuxième que j'ai cru beaucoup plus payant, mais pas du tout. Et c'est d'autant plus dommage qu'on avait un magnifique multiplicateur de proposer, mais on n'a pas réussi à remplir une combinaison gagnante avec un symbole multiplicateur. Ça aurait tout changé puisque tous les gains auraient été multipliés par 50 ou 56, je crois. Donc je pense que c'est là que s'est jouée la partie. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Une perte, et oui, ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Bon, malgré ça, je ne suis pas chauvin, mais j'ai pas forcément aimé cette machine. Je sais pas, je l'ai trouvée un peu monotone. Mais voilà, très originale, très atypique. En tous les cas, n'hésitez pas, comme moi, à donner votre avis sur cette machine. Et on se retrouve, voilà, pour d'autres sessions de machines à sous, en espérant que la chance revienne. Bonne journée à tous, bye!